Et hey, yo minasan, c'est Gunsho et aujourd'hui on se retrouve pour ma première dégustation de sucrerie japonaise. Et hey, ouais, comme c'est suite à la BGF, comme c'est écrit là-bas. Donc voilà, donc c'était fantastique à la BGF, j'ai pu m'acheter quelques trucs par-ci par-là. Donc là je vais montrer vite fait le premier élément franchement qui m'a vraiment tapé dans l'œil et que j'ai sauté dessus. C'est ceci, ouais, non, là, vers là, voilà, c'est ce petit Kit Kat, voilà, putain, à la framboise. Donc, voilà, ça se... Ouais, c'est sur des petits emballages comme ça, enfin, comme... Non, en France, je crois pas qu'on a des petits comme ça, c'est plus gros. Mais en fait, ouais, Kit Kat, en façon de produit, non. Ce n'est pas un placement de produit. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment... Comment dire? C'est super bon. Donc voilà. Micro, hein. Hop là. Ouais, parce que c'est très 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 sucré. Hein. Vous pourrez me demander à Taisho. Il l'a bien aimé lui aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça. Enfin comme un... Un normal quoi, on va dire un Kit Kat, sauf que c'est nappé de framboise, un peu de chocolat blanc je trouve. Enfin, je sais pas s'il y a chocolat blanc dedans. Donc voilà, ça, c'est comme ça, c'est très bon. Ah, c'est sucré, très bon. Putain, trop bon. Personnellement, j'en ai plus vraiment. Dans mon sac, enfin dans l'emballage. Bon, moi j'en ai en 4. Ça c'est un des derniers. Parce que franchement c'est très très bon et voilà quoi. Trop bon. Ah ouais. Et voilà. Donc le prochain c'est... Par contre celui-là je le mangerai pas. Enfin c'est... Apparemment c'est du thé vert et du chocolat. Donc voilà. C'est un gâteau assez spécial. Vous allez me dire. Oui, je vous l'accorde, c'est un gâteau assez spécial. Mais je trouve que c'est très très bon. Enfin accompagné avec du café, j'ai testé ce matin. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de goûter à du café. Et perso, c'est pas très mauvais vu qu'il reste que ça, on va dire. C'est des petits. Voilà, c'est des. Comment dire? Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Donc, ça c'est comme ça en fait. C'est avec des petits chocolats. Donc là c'est tout vert, bon ça passe du thé vert, mais ça j'en mangeais pas, je les garde pour manger avec mon café, pour demain. Donc voilà. Donc ceux-là, hop, voilà. Je les ai achetés, c'était pas cher, je crois que c'était 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Et perso j'ai vraiment apprécié d'avoir acheté ça. Je savais pas quoi choisir quand j'étais là-bas. Donc là j'ai pris ça. Donc voilà, j'espère que ce magasin, il y en a un sur Bordeaux, comme ça à la limite je pourrais y aller. Mais je pense pas qu'il y en a sur Bordeaux, enfin je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, je vais vous montrer deux produits que personnellement que j'aime bien. Et là, je vais vous montrer mon dernier produit que je me suis acheté. Et là en fait aujourd'hui, je suis retourné pour y en acheter un petit peu. Pour vous montrer en live qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est, et voilà. Donc voilà, donc on va y arriver maintenant. Alors, on va montrer, hop là, tatin. Et voilà, bon avec la lumière qui reflète dessus, c'est... Bon, regarde, c'est une bouteille de... Ouais, c'est une boisson gazeuse, aromatisée à la fraise. Et ce qui est vraiment bien dans ce truc, c'est qu'en fait, c'est typique au japonais. Bon, de toute façon, je vais l'ouvrir, de toute façon, j'allais la boire. Donc là, en fait, en haut, que vous voyez là, ça là, il faut sortir le... Ah, comme ça, tac. Quand ça c'est fait, vous le sortez, bien sûr, ça, tac, tac.
Donc voilà, donc là ça c'est. Là on doit donner en fait un petit coup ici. Donc ça, donc là je la pose là, hop. Donc là vous voyez en fait vous allez recevoir ça, avec ça. Ça il faut le casser et il faut récupérer juste le petit truc vert comme ça. Donc voilà, donc ça on récupère ça là, tac tac. Et ça en fait, ça on va l'enclencher ici. Donc après c'est il faut mettre toute sa force dessus. Je sens que ça va casser. Je vais essayer de mettre la cam ici, ce sera mieux. Ok, le truc qui se casse la gueule. Ok, c'est la folie, c'est la folie. Ah. Ding. Ok. Ça serait bien si j'aurais mis sur la table en fait. C'est là-bas, bordel. Avec le demain, c'est mieux. On va dire. Parce que ce truc, c'est chaud. Avec Taishu, on a. Sur les lions. Enfin, du moins, lui, il a bien réussi à un petit peu à l'ouvrir. Je vais peut-être me mettre debout, peut-être. Voilà. Donc là, en fait, il faut actionner le machin. Et voilà. Hop. Donc là il faut laisser le truc dessus, sinon après il y a en fait la mousse qui... Merde, bon, c'est sérieux. Faudrait que je m'achète un truc pour faire ça. Enfin je sais pas. Bref, j'ai déjà la webcam, c'est déjà pas mal. En fait voilà, donc là en fait à l'intérieur il y avait une petite boule. Donc la boule est tombée, c'est une boule de verre je crois normalement. Elle est tombée dedans. Donc voilà, donc ça c'est comme ça. Tac tac, il faut appuyer dessus mais pour la libérer. Et voilà, ça tombe là. Et voilà, c'est un petit ramené. Donc voilà, où c'est ramené, ramené. Bref, ça va être vers là. C'est Kimura. Voilà. Après, voilà. Donc après, il y a les nutritions qui est écrit dessus. Je crois pas, de toute façon, vous le verrez. C'est ma caméra webcam est de très jolie facture, entre guillemets. Donc voilà, donc après voilà, tac tac, il y a du calcium, vitamine C, ok, il n'y a aucun de ça, il n'y a aucun, il y a juste 18 sucres de grammes. On va dire c'est sucré, et 92 calories. Donc voilà. Donc ça, c'est une boisson typique du Japon. C'est fabriqué au Japon. Donc on va dire, c'est assez rare, du moins on en croisait en France, à part dans les conventions. Peut-être dans les marchands spécialisés, je pense. Mais cette chose quand même, voilà. J'en ai une autre dans mon frigo qui m'attendra pour plus tard. Donc voilà, tout d'un coup, hop, la webcam n'est plus sa place initiale. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc likez et partagez, et voilà. Et j'essaierai d'en faire d'autres, comme pour le katana, mais putain, on sait jamais, hein. Après, comme les conventions sont assez rares, on va dire un peu en France, enfin pas rares, enfin c'est tous les ans certaines. J'aurais bien y aller à Japan Expo, mais ça coûte un bras! Ouais, ça coûte un bras! Ouais. 300 euros pour 3 jours ou 2 jours. Ça pique du cul, hein, ça pique, hein, ça fait mal. Donc voilà. Ou au pire, faire comme mes confrères, comme Killer51. Acheter avec Candy-san par exemple, limite, ça je peux faire. Je peux faire. Enfin, entre guillemets. Tout dépend après combien c'est, comment ils demandent et tout. Donc voilà. Mais voilà, j'arrive à ce terme de cette vidéo. Et ouais. Donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Merde. Pour le goût. Ah bah, de toute façon, même si c'est du gazeux. Hein. Voilà. Donc, c'était Gacho. Bye bye.